Allez, essai du petit 12200, j'ai jamais 12, 4018 en 2S avec un petit circuit. On va prendre la marque. 2S, ça suffit large. Oula, ça commence. C'est pas mal la suspette. Oh mince. Petit truc, hop là, le geste là pour les petits espaces, ça suffit large. Hein. Bah ouais, quand t'as pas du tout mieux, le mieux c'est quand même de rester toujours un peu sur les gaz. Hop là. Petit, il est vif celui-là. C'est un peu de difficulté. Juste le petit saut avant de retourner. Super. Bon, par contre, c'est vrai que je vous avais déjà dit un peu. Comme t'as pas dit. Ça tourne pas. Pas génial. Donc la lumière là, c'est pas Pouk. Lumière, c'est pas de ma faute, c'est le ciel qui est comme ça aujourd'hui. Alors, par contre, aussi également. Pour la nettoyer la petite. C'est plus compliqué que le buggy.
Replay! C'est un bon petit saut là, faut juste que j'enlève la coupelle. Vous avez vu, il a quand même pris gratuitement des chocs quand même. Déjà, c'est petit. Un saut, de côté, pour l'instant. Hein. Ça tient le chute. Oh là. Tendance à piquer des lions. Non, non, franchement, c'est la bonne taille pour s'amuser dans mon jardin. Non, deux S1, bien sûr. Ça suffit large. Bon, waouh. Ouais, le train est assez bien posé, je trouve. C'est pas mal. Ça, c'est pour voir un peu les gifs. Ils sont bien libres, hein. C'est joli. Jolie petite découverte. J'avoue que ça, sur le circuit des MVHS en face de LC Racing, on doit pas être des ridicules. Alors, on est plus lourd. C'est tough, hein. Oh, c'est petit choc, hein, des petites échelles, du poids. Oh. Alors après, dès qu'il sera un peu plus grand, 3S, je pense que c'est un 10, c'est lui. Je pense que là on est vite. Sur un VHS, je pense que 3S, on sera bien. A voir, à tester.
qui saute, hein. Et en fait, c'est parce qu'il y a compression, il y a compression, il y a dépression. C'est ça qui balance. Ouais, c'est là où c'est à basse vitesse en fait, tu sens le manque d'indice. Un pilotage totalement différent. On va faire toute plaque, hein, pas rien. Pour avoir un peu l'autonomie. 2S 2200. C'est vraiment les quatre fers, c'est une toute autre conduite hein, quand tu as pas de bus. Alors après, c'est qu'elle est crapounette. Hein. Tu vois, j'ai tellement de sable. Mais le sable est tout rentré dans les jambes, ça alourdit. Je pense qu'elle a au moins pris 100 grammes, 10 à 15% de poids, c'est déjà énorme. Non, franchement, pour un jardin avec de l'herbe un peu rase, c'est top. Alors, on peut les brandless aussi. J'ai aussi la couronne aussi également en métal. Couronne de... Ouais. Par contre, c'est sûr que le frein en building, rien à voir avec le frein du récepteur d'origine. Moi, je crois que je pourrais piloter 45 minutes, non ? Ouf.
Pipiriti. Alors, est-ce que tout le monde va bien déjà? Différent, différière. Allez. Peut-être. Peut-être un petit bout de carrossage, tiens. Hop là. Ah, et coupure. Alors, on est à combien? Un quart d'heure. Un quart d'heure, 2200. On va voir ce que ça dit au niveau. Je mets le doigt, hein, les gars. Il n'y a aucun souci, ça a 30, ça a 40. 40 degrés, lui il est bon, lui il est bon. Énergétiquement, c'est hyper viable. Voilà. Bon, c'est par contre, elle est un peu crado, ça. Allez, on nettoie un petit peu tout ça. Et puis, on se verra pour la piste du MVHS. Je pense que ça sera un peu mieux. A plus.